Planète POW Top of the World. Un divertissement sportif unique, très unique. Soyez prêts à être divertis. Soyez prêts à tout. Soyez prêts à y croire. La TOW, c'est le lien attendu entre les différentes générations qui sont toutes, à quelque part, amateurs de lutte. Les jeunes, les nostalgiques, les baby boomers. Un vaste public se rejoint par l'action sans frontières de la TOW. Des scénarios imprévisibles, des acrobaties, de l'action, des surprises, de l'anticipation. Ajouter des vedettes qui en mettent plein la vue à leur public. Voilà la recette du succès de la TOW. Les meilleurs lutteurs du Québec, les meilleurs du Canada et même les meilleurs des États-Unis. Des vedettes du ring d'hier, d'aujourd'hui et sûrement les vedettes de demain. La lutte TOW, Top of the World, ce que le Québec attendait depuis la disparition de la lutte Grand Prix. La TOW, ce que les fanatiques n'espéraient plus. La TOW, tous veulent faire partie de la vague causée par la lutte TOW, Top of the World. Voici, quelle entrée, mesdames, messieurs, accompagnée du Heartbreaker Mike Lyon. Voici le père et le fils, Sexy Eddie et Sexy Leon Saver. Wow, un premier duo père-fils que je vois de mes yeux vus. Ils sont pareils, j'en reviens pas. Je l'apprends à l'instant. Sexy Eddie a eu un fils caché depuis toutes ces années. Il m'a jamais dit ça. Quoi qu'il en soit, quel beau physique! Mike Lyon, c'est qui ça? Attends, c'est... ça doit être le beau-frère. Ils sont pareils, les mêmes mouvements que son père. Regarde les épaules. Les petits poignets frères, regardez ça, tel père, tel fils! Et regardez! Oh! Qu'il est fringant! Il y a le père! Le père est prêt! Non, 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 non! Agadon, éclipse solaire! Wouh! Hey, ça flash ça, mes amis! Et voici leurs adversaires! Une équipe redoutable et une équipe pesante. Drew Onyx, Eric Mastrocola, Mass Drew Structure. Wow! Et écoutez la foule! Et quelle entrée! Je pense qu'ils sont intimidés par les beaux petits jeunes hommes. Quelle intensité, Benoît! Ils sont intimidés! L'équipe père-fils était très intense, mais regarde l'intensité. Cora, Mass Drew Struction, Drew Onyx et Eric Mastrocola que vous voyez actuellement à votre écran. Wow! Quelle équipe poids lourd! Moi, je mise sur eux autres. Ils sont très intenses.
très focusé. Donc, je mise vraiment sur l'équipe Mass Destruction, non seulement pour ce combat, mais pour le tournoi, pour couronner de nouveaux champions par équipe, Top of the World. C'est bien le fun, Jean-François. Moi, je mise sur eux, mais pour miser, ça perd de l'argent, puis t'as pas une scène. Fait qu'arrête de vouloir miser, concentre-toi de faire ce que tu sais faire de mieux, puis dire « Hé, vous, vrais, messieurs, dames! » Alors, Benoît, es-tu prêt pour ce combat, le deuxième combat dans le tournoi pour couronner des nouveaux champions par équipe ici à la TOW? Oui, je suis prêt! Et t'as raison d'être prêt, Benoît. Tout un combat en perspective. Drew Onyx, Eric Mastrocola contre un duo père-fils en compagnie de Grandpa Heartbreaker, Mike Lyons. Ton client? Comment ça tu parles en anglais? Le Grandpa, grand-papa. Non, Mike. T'as dit Mike Lyons. Dis qui c'est ton client? On ne sait pas c'est qui ton client. Heartbreaker. Mike Lyons que t'as dit mon client. Non. Mike, Michel, Lyons, Lyon. Lionel. Exactement. Mais c'est pas ton client! Donc, quoi qu'il en soit, Benoît, Mike Lyons... Arrête de dire ton client, c'est pas ton client! Michel Lyon peut être un atout très important pour le duo père-fils, Sexy Leon Saver et Sexy Eddie. Et pendant ce temps, quand même, la foule accueille en grand Mass Destruction! Mais regarde l'équipe, là! Père-fils, ça c'est beau, ça me... Je t'ai vu, Jean-François. Ouais. Je les ai vus se déshabiller devant moi tout à l'heure, mais quand même... C'est émouvant. C'est vraiment quelque chose, là. Les deux gosses froids, tant mieux pour eux autres, avec des nœuds papillons, pareil comme moi, donc... Ouais, la seule différence, c'est que toi, c'est... Ben voyons non, ben voyons non. Ben, ben, oh, ça, c'est beau, ça. Mais toi, là... Moi qui... Mais regarde, Benoît, on va focusser de bord sur... Dans ce cas, sur le combat. Combat par équipe, je vous le rappelle, Sexy Eddie, toute une superstar ici à la TOW, est avec nous depuis le tout premier TOW au mois de mai 2007 à Blainville. D'ailleurs, procurez-vous le DVD et tous les autres au towlutte.com. Et regarde. Et sais-tu qu'est-ce que ça a des gros gars comme toi? Ça a un petit caisseur! Ben voyons donc! Pis les gars comme moi, sais-tu qu'est-ce que ça a? Ça a un big bazooka! Un gros bazooka, ben voyons donc! Pas du gomme bazooka, un gros bazooka! Non, il va pas! Qu'est-ce qu'il fait là? Il part! Bang! Oh là! Mais c'est pas familial, la TOW? Ouais, mais faut dire les vraies choses, il est en train de sortir le caisseur! Attends un petit peu, attends de voir 5 livres, qu'est-ce que ça donne? L'anaconda! Oh! Ouh! Tasse-toi! Et voilà, Benoît! Là, je suis ému, Benoît! Qu'est-ce que toi, mon petit sexy Eddie? Alors... T'as beau être ému, mais t'as été impressionné aussi quand l'Anaconda est sorti, là! Mais quand même impressionné par le coup de Drew Onyx. Mais revenons au combat! Revenons! Oh non, c'est dégueulasse! Mais non. Pourquoi le caméraman, pourquoi Danny Foster fait un zoom sur le Kiziwizi de Eddie? On peut se le demander, là. Je pense pour ouvrir l'appétit aux dames à la maison. Bon appétit, les gars. En bourgeonnement, suivi d'un écrasement, Benoît. Quoi? Qu'est-ce que c'était bien dit, un poète? Mais non, mais tu sais, maintenant, quand le buffet est ouvert, on a le droit d'en regarder. Hein? Drew Onyx se fait projeter. Non! Renversement! Eric Mastrocola arrive sur ses deux adversaires! Drew Onyx se fait attendre! Et voilà! Boum! L'avalanche de la part de Drew Onyx sur ses deux adversaires! Et... Non! Oh! Bang! Bing! Bing! Oh! La queue! C'est un drôle de jeu! Mais d'après moi... Ben ouais, on joue ça à saut de mouton, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est... D'après moi, les deux ont pas de fun, là, c'est incroyable! Quelle humiliation! Ça me rappelle les Bee Gees! Comment ça? Les Bee Gees! Je sais pas, mais quand tu disais fun... Ah non, c'était pas eux autres, ça, c'était les Beach Boys, fun, tu m'avais dit ça! Mais Drew, Eric Mastrocola, lui, est très sérieux, et regarde ce qu'il fait subir à ses adversaires, autant à Leon Saver qu'à Sexy Eddie. Il a l'avantage du combat. C'est le seul, d'après moi, pour l'instant, qui a du sérieux dans le combat. Là. Et une camisole noire.
Oui, le seul qui a une camisole noire, je te donne raison, Benoît, tout de même. Mais, non, mais ça n'en prend des points importants comme ça dans les combats. Ce que tu fais pas, moi, j'amène des points ouais. Défaits. On t'amène des faits. On peut pas dire le contraire, mais... Tiens. Oh! Mais on peut dire qu'est-ce qu'on veut contre Sexy Eddie, contre Leon Saver. Les deux savent lutter. Drew Onyx sait lutter. Hey, regarde ça! Gauche, droite! Chop! Il n'est pas... Très impressionnant. Ben, Drew Onyx a beaucoup de résistance. Gauche, droite! Ah! Champion NWA Commonwealth, Drew Onyx, on a vu d'autres. Et voilà! Coup de boule par Drew Onyx et on demande le silence. Oh! Et ça l'a résonné. Encore une fois. Une autre fois. Oh là 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 là! Aïe aïe aïe! Comment le père se sent quand il voit son fils se faire mutiler comme ça? Il donne une chance. Il demande à la foule si Leon Saver. Il a besoin d'une chance. Tiens, mon ami! Non. Tes gros orteils! Coup de la corde à linge raté! Heartbreaker, Mike Lyons! Oh! Et je peux te dire que lui, il en brise des cœurs. Est intervenu, Mike Lyons, à l'avantage de Leon Saver. C'est pas ton client, arrête, Mike Lyons. Coup de pied de la part de Sexy Eddie, tu m'énerves. De Sexy Eddie sur Drew Onyx. On fait entrer son partenaire, Leon Saver. Et étranglement, en même temps que Leon Saver fait subir des coups de pied à l'abdomen de Drew Onyx. Répète après moi, Mike Lyons. Non, tu vois, t'es capable, quand tu te forces, pas Mike Lyons. Tu m'énerves plus que je t'énerve. Et voilà, regarde-moi ça, le petit jeune homme le plus sexy de la stratosphère. De la planète. Et la stratosphère, c'est encore plus grand, Jean-François. C'est comme comparer un Dollarama avec un Walmart. Le Walmart est bien plus grand, puis lui, il vaut un Walmart. T'en vaut 10, tiens, mon ami! Oh, quel solide! Oui! Oh, manœuvre par équipe, suivi familial. Double super kick. Manœuvre familiale. Et regarde ça, c'est de la famille. Shake. Wheezy. Go. Yeah! Oh, double descente du coude. C'était beau à voir. Ah, t'as raison quand même, Benoît. Regarde ici, on compte. 1, 2, et seulement 2. Pas seulement Jean Crougeau a fait équipe avec son fils ici au Québec. Sexy Eddie fait équipe avec le sien ce soir à TOW10. Stardom! Et là, tout le monde nous dit, mais mon Dieu, Sexy Eddie avait un fils. Et là, je regarde mes fiches ici. Et selon mes sources, le petit Sexy Leon Sever serait un souvenir de vacances de Cancun. Pour vrai? Oui. Regarde-y le Tan, c'est un Cancun. Il a dû être jeune quand même, Sexy Eddie. Ben, à l'âge de 12 ans, c'est ce qui est écrit ici. Des vacances à l'âge de 12 ans, à Cancun. Donc, c'est un petit Cancunais, mais on le jugera pas. C'est familial! Et voilà, quelqu'un qui connaît la lutte familiale, c'est bien Eric Mastrocola. Puis regarde qu'est-ce que ça lui donne. Le fessier endoloré. Puis tiens, mon ami! On attrape facilement au vol Leon Saver. Il est trop lourd pour lui. Mais papa est venu aider Fiston. Ça, c'est beau. La famille. J'aime ça, moi. Les valeurs familiales. Oui, familiales. Je vous le rappelle, Eric Mastrocola, un ancien élève et un ancien instructeur à la Fédération de lutte, ou devrais-je dire... La présentation des galas familiaux Jacques Rougeau. Parce qu'il veut pas. Faut pas que tu le dises. C'est la présentation de spectacle. Et regarde ici, nous, on a de la lutte, puis de la vraie lutte, puis regarde la famille ici. La famille sexy. Oui, la famille sexy. Non, moi, je pense que ça devrait être leur nom d'équipe. Je leur suggère The Sexy Family. The Sexy Family. We are family. Tiens, je dis, tout est là. Je vais aller leur proposer. J'y vais à l'instant. Alors, pendant que Benoît se dirige vers Leon Saver, qui est très attentif. Sexy Eddie a le contrôle sur Eric Mastrocola dans un coin du ring. Et regarde Leon Saver qui écoute Benoît et Mike Lyons. Alors, Benoît de retour. Et puis l'idée. Non, tu peux pas en parler. OK. C'était refusé. Refusé encore une fois. J'en reviens pas. Une bonne idée comme ça. Encore avec tes conseils, Benoît. C'était aussi bon que mon idée du doucheur. C'était mes deux meilleures idées que j'avais eues. Ils ont été refusées. Le gars arrive avec une serviette, le doucheur. Voyons donc!
J'avais tout le concept, là, puis il rentrait sur... c'était quoi, donc, est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? Tout est bon, tu sais, j'ai tout ça, personne me respecte. J'ai pas de famille. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, Benoît? Qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir mon équipe. Pendant ce temps, ton équipe, la famille sexy, ouais, écarte les jambes, les grelots, on fait sonner les cloches, le kizi-wizi d'Éric Mastrocola. La progéniture se fait avoir. Oh oui, mais la progéniture se fait aussi fait malmener. Il n'y en aura plus de petit Mastrococo. Non. Alors, c'est tentative terminé, de double terminé. Souplesse par la famille sexy. Tu vois, même tout est capable de le dire. Non! Je trouve que ça se dit bien. Oui. The sexy family, quand ils vont aller aux États-Unis, ça se dit bien aussi. L'arbitre officiel de ce combat, et je dois le dire quand même, le meilleur arbitre du Québec, Patrice Maltais, et l'arbitre officiel de ce combat est celui... Qui dit maintenant que Joannick est l'homme légal de son équipe et Leon Saver l'est toujours pour la sienne. Aïe. Non. Wedgie. On voit les foufounes. Wedgie, moi. As-tu vu ça, le rouge à lèvres sur les fesses de Sexy Eddie? Ben, c'est ça aussi, c'est un souvenir de vacances, ça, mais à Valcartier. Village des sports. En quelle année? 97. Wow. Mais c'est dans mes papiers ici. Mais concentre-toi sur le combat. Non, Léon, tu veux... Oh, que c'est haut! Oh, quel surpassement arrière par Mass Destruction. Encore une fois, mais cette fois-ci sur Sexy Eddie. Oh, tu veux le visage, tel père, tel fils? Le bas de la colonne a subi le coup. Il y en a du poids 5 livres à la hauteur de la taille. Et ça peut faire transférer le poids du mauvais côté. Non, que c'est ça? Oh là 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 là! Wow, quelle manœuvre! J'ai souvent vu Kevin Steen le faire, mais Drew Onyx est bien plus pesant. Dans les câbles, Leon Saver Spear par Drew Onyx sur Leon Saver. C'est pas mal avec Life Saver, ça? Je sais pas. Et on... Qu'est-ce qui se passe, là? Alors, c'est... Voyons. On aurait dit une petite... Mike Lyon, qu'est-ce qu'il fait, là? Mike Lyon, pas la tour infernale! La tour infernale, oui! La tour infernale! Par Mass Destruction 1, 2 et 3! Oh que oui, Benoît! Je l'avais prédit! Qu'est-ce que j'avais dit en début de combat? Qu'est-ce que j'avais dit, Benoît? Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, je vais te dire ce que t'avais dit. Une victoire d'Éric Mastrocola. Ah non, je pensais que t'avais dit que Leon Saver, c'était le fils de Sexy Eddie. T'avais dit ça aussi! J'avais dit ça aussi, mais j'avais prédit la victoire de cette grande équipe Mass Destruction qui a fait le ménage ce soir et remporte le deuxième combat du tournoi pour couronner de nouveaux champions par équipe. Que tu le dises deux fois. Je l'ai dit pour la foule la deuxième fois, mais regardons maintenant. Regarde la famille maintenant en reprise, Benoît. Donc, les reprises de ce combat vont prouver que c'était une domination nette de Mass Destruction sur la famille sexy. Et Mais il vole un enfant. Vous acceptez, il a volé un enfant. Il dit laisse-moi partir. Où c'est qu'aller, maman? Non, où c'est qu'aller, maman? C'est ça qu'il dit.